الحمد لله، الحمد لله على كل نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أيها المصلون وأيها المسلمون وأيها المؤمنون عباد الله، فإن المودة والرحمة هما أساس استقرار الأسرة، وخاصة في هذا الحجر الصحي إخواني في الله، وهو سبب سعادة الحياة الزوجية والعائلية، وتلك نعمة من الله عز وجل على عباده وعلى الناس أجمعين، وآية من آياته كما ذكر ذلك الله عز وجل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن تمام رحمته سبحانه وتعالى ببني آدم أن جعل بين الزوجين مودة ورحمة. لونج الله عز وجل، mes chers frères et sœurs. لونج الله سبحانه وتعالى en toutes circonstances. Nous le remercions pour ses bienfaits sans cesse renouvelés. Nous attestons que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré, et nous attestons la prophétie de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a exhorté en nous disant: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec sa famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Chère communauté musulmane de Vauréal et d'ailleurs, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, et d'espérer son pardon et sa noble récompense qui est le paradis. Allah, notre Seigneur, mes chers frères et sœurs, nous exhorte sans cesse, et en particulier dans ce verset que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait souvent aux gens, où Allah Azza wa Jal dit en ces sens: ô vous les hommes, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez donc Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de parenté. Craignez de rompre les liens familiaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. Certes, Allah vous surveille et vous observe parfaitement. Mes chers frères et sœurs, notre sujet aujourd'hui donc portera sur l'amour et la compassion dans une même famille. Vous savez certainement que nous sommes donc tous, eh bien, liés entre nous par cet amour, bi'idhnillah, qu'Allah Azza wa Jal, eh bien, nous a mis dans notre cœur envers les membres de notre famille et nos proches. Et en ce confinement, mes chers frères et sœurs, eh bien, ces liens doivent être renforcés, bi'idhnillah. Ceci est une famille qu'Allah Azza wa Jal aime et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit. Mes chers frères et sœurs, donc notre sujet aujourd'hui portera sur l'amour et la compassion dans une même famille.
Et pour qu'une société vive sereinement, il faut que le mode familial qui le compose se base sur l'affection, sur l'amour, sur la compassion et l'entraide. Comment se passerait, mes chers frères et sœurs, ce confinement? Eh bien, s'il n'y avait pas l'affection entre nous, s'il n'y avait pas l'amour entre nous, s'il n'y avait pas l'entraide et la compassion et la solidarité entre nous, eh bien, cette vie serait infernale et ne serait pas vivable. Allah Azzawajal nous dit dans le Coran, et parmi ses signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour vivre en tranquillité, en sérénité, pour vivre en tranquillité avec elles. Et ça, c'est le premier but et le but ultime de la famille, le fait de vivre en tranquillité et en sérénité, en toute quiétude. Et ensuite, Allah nous dit, il nous a donné deux moyens justement pour atteindre cette quiétude, cette sérénité, cette tranquillité. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves et des signes pour des gens qui réfléchissent. Pour des gens qui réfléchissent. Mes chers frères et sœurs, l'amour et la clémence entre les membres d'une famille, et en premier lieu entre les deux époux, eh bien, aide à consolider un foyer, aide à consolider la cellule familiale, aide à ce que chacun prenne ses responsabilités, aide à la bonne éducation. Et ceci encore plus, mes chers frères et sœurs, pendant ces jours de confinement où on doit rester à la maison, on doit rester entre nous, où on se voit plus que d'habitude, eh bien cet amour doit être cultivé et doit être nourri, bi'idhnillah. Ibad Allah, ikhwani fillah, akhawati fillah, كيف نحقق هذه المودة والرحمة في بيوتنا وخاصة في هذا الحجر الصحي؟ لقد حثنا ديننا الحنيف على سلوكيات تحقق المودة والرحمة بين أفراد العائلة بما يحافظ على الاستقرار الأسري ويقويه. فالرفق إخواني في الله، أخواتي في الله، فالرفق في المعاملة من أعظم أسباب دوام الألفة. يقول حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق، دلهم على باب الرفق. ففي هذا الحديث الشريف حث على الرفق والرأفة وإشارة إلى طلاقة الوجه والتقدير والاحترام المتبادل، فالتعامل بينهما مبني على التعاون والتآلف والحب والوئام والتفاهم والانسجام والتكامل والمسؤولية، فكلاهما شريك في بناء الأسرة وتربية الأولاد، ويحمل كل منهما للآخر أكبر قدر من المودة الخالصة والرحمة الشاملة. فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماع الأسرة لأن بالمجالسة إخواني في الله والتحاور تدوم المودة والرحمة. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال لهم سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. فالله عز وجل ينزل البركة على أهل بيت مجتمعين، إخواني في الله، مجتمعين بالمحبة والمودة. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs et chères communautés musulmanes, chers croyants et chères croyantes, comment rendre nos foyers heureux? Il n'y a pas de solution miracle, mes chers frères et sœurs. Il faut des compromis. Il faut des compromis et cultiver le sens des responsabilités. Ce confinement que nous vivons tous, eh bien, ce confinement peut exacerber les tensions au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, au sein d'une famille. C'est compréhensible, mes chers frères et sœurs, mais cela ne doit pas être la norme. Cela ne doit pas être la norme. Sinon, la cellule familiale peut se disloquer, se séparer. Mes chers frères et sœurs, l'amour et l'entente d'une famille est une affaire qui demande beaucoup d'indulgence et de respect de l'autre. Il y a donc des comportements à avoir. S'aimer dans la durée demande de l'effort et des sacrifices. Et rien ne vaut la douceur, mes chers frères et sœurs, pour apaiser un foyer. Rien ne vaut la douceur, l'indulgence, la clémence pour apaiser un foyer, pour apaiser une famille, pour apaiser les membres de cette même famille.
notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut pour nous le bien comme vous le savez. Eh bien, disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah veut pour un foyer le bien, il leur indique le chemin de la douceur. Lorsque Allah veut pour un foyer le bien, il leur indique le chemin de la douceur. Cette douceur, mes chers frères et sœurs, cette délicatesse, cette gentillesse, à toi de la faire vivre dans ton foyer. À toi de la faire vivre dans ton foyer. Je parle ici donc aux parents, comme aux enfants, des parents qui ne sont pas responsables, des parents qui sont des tyrans, des parents qui sont méchants avec leurs enfants, n'arriveront jamais à apaiser leur foyer. Et des enfants aussi, qui ne sont pas responsables, des enfants qui ne sont pas éduqués, qui sont méchants envers leurs parents ou autres, ou entre eux, eh bien, ne réussiront jamais, ne réussiront jamais, mes chers frères et sœurs. Les parents doivent montrer leur amour, doivent montrer la voie, doivent montrer leur amour à leurs enfants. Et les enfants doivent montrer leur amour et leur gratitude à leurs parents. Ce qui aide, mes chers frères et sœurs, à l'apaisement, c'est la répartition des tâches. La répartition des tâches, et encore plus pendant ce confinement, mes chers frères et sœurs, chacun doit avoir une tâche à faire, bien définie, pour qu'on s'entraide dans l'amour et dans la piété, mes chers frères et sœurs. Donc ce qui aide à l'apaisement, à la sérénité, c'est la répartition des tâches, et de les respecter, et de s'y tenir, et de ne pas charger l'autre aussi plus que ce qu'il ne peut supporter. Mes chers parents, sachez que vos enfants aussi, eh bien, ressentent la douleur de ne pas sortir, la douleur d'être toujours confinés à la maison. Faites en sorte, bi'idhnillah, de ne pas les charger plus que ce qu'ils peuvent supporter. Mes chers frères et sœurs, aussi chacun dans un foyer a des besoins différents. Donc faites prévaloir l'indispensable aux choses secondaires. Certains divorces viennent lorsqu'un des conjoints ne prend pas son rôle au sérieux et n'assume pas sa responsabilité. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on voit un mari qui ne paye rien, qui ne subvient pas aux besoins de son foyer, ni loyer, ni courses, et laisse cette charge à d'autres, et lorsqu'on voit aussi des épouses qui ne s'occupent plus de leur foyer et préfèrent le délaisser à d'autres, il faut savoir répartir les tâches et se créer des moments de répit, mes chers frères et sœurs. Il faut savoir, eh bien, qu'on a des responsabilités dans notre foyer, savoir aussi se répartir les tâches, et encore plus pendant ce confinement, mes chers frères et sœurs, et aussi aux maris qui avaient l'habitude, eh bien, de sortir pour travailler, le fait de consacrer un temps, eh bien, aux tâches ménagères avec ses enfants, avec son épouse, eh bien, cela ne fait que renforcer les liens et ne fait que, eh bien, t'élever auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, car notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était comme cela. Il rendait service, il faisait des tâches ménagères aussi au sein de son foyer et ne les laissait pas exclusivement à quelques personnes, aux épouses ou aux enfants. Mes chers frères et sœurs, aussi, il faut donc se répartir des tâches et aussi se créer des moments de répit. Il faut se créer des moments de répit et de pause, car la personne est faible et on a besoin de repos pour s'évader, pour méditer et tout simplement, eh bien, se reposer. Aussi, parmi les choses qui renforcent l'amour des membres d'une famille est de consacrer chaque jour, donc chaque semaine, des réunions familiales. Et alhamdoulillah, ce confinement s'y prête bien. Donc le fait de se réunir, des réunions familiales autour d'un repas, ou d'une bonne parole, ou d'un jeu de société par exemple, ce confinement s'y prête bien, mes chers frères et sœurs. Profitez, bi'idhnillah, de ces instants, inshallah, pour qu'Allah azzawajal fasse descendre la bénédiction dans votre foyer et la sérénité. Cela ouvre la porte du dialogue et du respect mutuel, de l'entraide et de la solidarité. Créer des liens est primordial, mes chers frères et sœurs. Vous voulez qu'Allah Azzawajal bénisse votre foyer, alors mangez ensemble, en harmonie et en paix. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, cher prophète, on mange, mais on n'est jamais rassasié. On mange, mais on n'est jamais rassasié. Et le noble prophète, notre maître à tous, notre éducateur, celui qui nous conseille le mieux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, peut-être que vous avez tendance à manger séparément, vous mangez chacun de votre côté. Ils répondirent que oui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur conseilla, mangez ensemble et mentionnez le nom d'Allah lors de votre repas, et Allah bénira cette assemblée. Les buts de ces assises, mes chers frères et sœurs, est de s'apprécier, de se remercier,
se faire des compliments aussi entre frères et sœurs, entre parents et enfants, de s'aider les uns les autres, de résoudre les problèmes aussi de la vie quotidienne et de trouver des solutions en famille qui conviennent à tous, bidnillah, à tout le monde, enfants et parents. Mais aussi se faire plaisir, inshallah, ensemble, tout simplement, mes chers frères et sœurs. Donc sache aussi, un petit conseil aussi à nos frères et sœurs qui sont jeunes à la maison, sache à ton tour, cher jeune, que le fait d'obéir aussi à tes parents est une source de bonheur dans ta vie et dans l'au-delà, dans cette vie et dans l'au-delà. Combien de versets d'Allah Azzawajal dans le Coran nous invitent à être bons envers les parents? Ce n'est pas pour rien, mon cher frère, ma chère sœur. Et combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invitent aussi à faire preuve de bonté envers les parents? Ce n'est pas pour rien, mon cher frère et ma chère sœur. Donc sache qu'Allah Azzawajal aime les jeunes qui obéissent à leurs parents dans le bien et qui leur rendent service. Des enfants et des jeunes, eh bien, qui rendent service à leurs parents, qui sont souriants, qui les aiment et qui sont solidaires avec leurs parents. Allah Azzawajal les aime. Si tu es de la sorte, alors espère cette récompense, celle d'être abrité par l'ombre d'Allah le jour de la résurrection, le jour où tu en auras grand besoin. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: cette catégorie de personnes jouiront de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, et il dénombra parmi eux un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Un jeune qui grandit dans l'adoration d'Allah. Ce confinement, mes chers frères et sœurs, nous a montré l'importance de la famille. Ce confinement nous a montré l'importance de la famille, l'importance des parents, l'importance de nos proches, de nos amis. Combien aimeraient se rencontrer, mais par précaution et civisme, chacun reporte la rencontre du bien-aimé à plus tard. Des enfants ont le cœur meurtri de ne plus pouvoir rendre visite et embrasser leurs parents. Les parents sont tristes de ne plus pouvoir, eh bien, voir leurs enfants et leurs petits-enfants, et qui sont de peur d'être contaminés, mes chers frères et sœurs. Mais sachez, sachez, inshallah, que cette tristesse a un prix auprès de votre Seigneur, auprès de notre Seigneur miséricordieux, notre Seigneur Rabbur Rahim, subhanahu wa ta'ala. Chaque sacrifice a une rétribution auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Ne perdons jamais espoir, ne perdons pas espoir, et restons patients en attendant de jours meilleurs, bi'idhnillah. يقول الله عز وجل في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. الله عز وجل dit dans le Coran, mes chers frères et sœurs, dans la création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes là des signes pour des gens qui réfléchissent, pour les doués d'intelligence. Ceux qui, debout, assis, couchés sur leur côté, mentionnent Allah, mentionnent le nom d'Allah et mentionnent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre. Ils disent: notre Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Gloire à toi, Subhanak, préserve-nous du châtiment du feu. Mes chers frères et sœurs, nous vivons ces jours-ci de belles journées ensoleillées qui marquent le début du printemps tant attendu. Ne laissons pas cette pandémie nous violer ce bel horizon. Offrez, mes chers frères et sœurs, des cadeaux et des présents et des sourires et de l'amour à votre tour, à votre entourage, à votre famille, à vos amis, bi'idhnillah, comme Allah Azzawajal nous offre ce beau paysage fleuri que l'on voit tous les jours. Mes chers frères et sœurs, comme on dit, l'espoir fait vivre. Et nous sommes proches, bi'idhnillah, de la délivrance et de l'heureux dénouement, bi'idhnillah. La vie serait terriblement dure si l'espoir en de jours meilleurs n'y avait pas sa place. Autant l'hiver est passé avec sa grisaille et son froid pour laisser place au soleil et à la réjouissance, autant, mes chers frères et sœurs, cette épidémie passera avec ses angoisses et ses tourments pour laisser place à l'heureux dénouement et aux retrouvailles de joie et d'allégresse entre nous, la famille, les amis, les proches, bi'idhnillah.
Notre espoir en notre Seigneur est grand, car nous sommes convaincus, mes chers frères et sœurs, que sa miséricorde l'emporte toujours sur sa colère, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah vous préserve, mes chers frères et sœurs, et vous protège. Merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui s'efforcent chaque jour d'améliorer le quotidien et la santé des gens. Soyons des personnes pleines de gratitude et de reconnaissance, mes chers frères et sœurs, car l'ingratitude est un mauvais défaut. Et il nous semble que le confinement, mes chers frères et sœurs, perdurera encore quelques semaines. Ce qui nous laisse penser, je l'espère à tort, wallahu a'lam, que le mois de Ramadan, qui va venir rapidement, eh bien, devra se passer sûrement à la maison cette année. Quoi qu'il en soit, mes chers frères et sœurs, nous tâcherons de rester unis en lien tout au long de cette période, bi'inillah. Qu'Allah Azza wa Jal vous bénisse et vous protège. Aussi, mes chers frères et sœurs, j'ai une petite pensée pour un de nos frères et un des fidèles de la mosquée de Vauréal qui a subi une opération suite à un problème cardiaque. Nous prions pour sa prompte guérison. Nous prions pour lui, pour sa prompte guérison et pour un rétablissement rapide, bi'inillah. Et pour tous les malades, mes chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal les guérisse et les enveloppe de sa miséricorde. Et qu'Allah Azza wa Jal accorde son pardon à nos défunts et à nos défuntes, qu'Allah Azza wa Jal leur accorde le martyr et une place honorable près des vertueux. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Hada wa sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati wa salami alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفق الشباب لكل خير اللهم وفق العائلات لكل خير اللهم وفق العوائل لكل خير اللهم احفظهم من كل شر واجعلهم ذخرا لأوطانهم يا رب العالمين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين اللهم اجعل تفرقنا هذا تفرقا معصوما واجعل جمعنا من بعده جمعا مرحوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. Mes chers frères et sœurs, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que cet isolement et ce confinement, eh bien, soit toujours sans faute et sans péché, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que notre réunion prochaine, bi'inillah, eh bien notre réunion prochaine soit dans la miséricorde, et la concorde, et la fraternité, et fasse qu'Allah Azza wa Jal qui nous mette l'espoir dans notre cœur, l'espoir et la sérénité, et la quiétude, et le fait qu'on soit convaincu, eh bien qu'Allah Azza wa Jal nous délivrera bientôt, bi'inillah. Allahumma la tada' fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahrouma, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.